ancien professeur de musique, Pierre, finaliste de MasterChef, peut désormais se consacrer à sa passion. Malgré sa défaite face à Ludovic, sa volonté d'ouvrir un restaurant à Rouen est toujours d'actualité. Originaire d'Yvetot, ce jeune sénomarin nous en dit plus. À MasterChef, j'ai regardé la saison 2, et puis ça concordait avec une période où j'avais envie de passer à autre chose après ma carrière d'enseignant et de me réorienter dans la cuisine. Et puis je me suis inscrit comme ça en fait, mais sans y croire plus que ça, parce que quand on sait qu'il y a entre 20 et 25 000 candidats, là c'était 24 cette année, on a un peu l'espoir de se dire ça peut marcher. Mais... Et puis petit à petit, il y a eu les sélections, les castings, et me voilà. J'ai jamais pris de cours, j'avais jamais mis les pieds dans une cuisine professionnelle. Par contre, après, en bon passionné, j'ai beaucoup de livres, je cuisine beaucoup, je suis allé dans beaucoup de restaurants, donc ça s'est fait comme ça. J'espère ouvrir un établissement en 2013 ou maxi 2014, mais j'aimerais bien en 2013. Ce serait un établissement un petit peu dans l'esprit de ce que peut faire Monsieur Candebord, la bistronomie, c'est-à-dire cette cuisine de bistrot qui m'est chère, la cuisine traditionnelle, des produits de saison mais simples, abordables, en même temps y amener la technique et la précision et le soin des dressages qu'on a dans la gastronomie. J'ai appris énormément de choses, alors ça donne beaucoup d'armes et beaucoup de contenu pour aborder une future carrière professionnelle, donc je crois qu'il y a un côté booster qui est assez génial.